Pour connecter un appareil Bluetooth à ton JBL Charge, premièrement, allume ton haut-parleur. Ce premier son veut dire que le haut-parleur vient de s'allumer, et le deuxième veut dire qu'il est en train de rechercher un appareil Bluetooth. Si ça le fait automatiquement, c'est parce que c'est la première fois que je l'allume. Comme tu peux voir, le bouton Bluetooth est en train de clignoter. Ça veut dire qu'il est en train de faire une recherche. Si ce n'était pas le cas, si ça ne s'était pas fait automatiquement, tu aurais juste à appuyer sur le bouton Bluetooth et ça tomberait en mode recherche. Ensuite de ça, pour connecter un appareil, ensuite on va se rendre dans les paramètres Bluetooth de ton téléphone. Ça peut varier d'un téléphone à l'autre. Et dans la section ici, tu vois, j'ai un nouvel appareil. Je peux le sélectionner et le bruit qu'on va entendre dans quelques instants, voilà, ça veut dire que la connexion est maintenant faite. Donc tu peux aller sur Spotify ou qu'est-ce que tu veux, toute la musique de ton téléphone va sortir par le JBL Charge. Alors j'espère que ça va t'avoir aidé.